l'actualité. Actualité internationale dans le pays la France, en pile activité marqué 80e anniversaire D-Day, débarquement 6 juin 1944 là. Il y a un événement qui réunit en pile leader mondial parmi eux, président américain Joe Biden, président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ici en ce jour, monsieur le président d'Ukraine. Chancelier allemand Olaf Scholz, semblier premier ministre canadien Justin Trudeau. Actualité dans la région Moyen-Orient, l'armée Israël touye plus passé 30 moun dans l'école dans Gaza. Et puis dans le pays d'Haïti, premier ministre Gary Conny rencontré jodi a ak conseil présidentiel transition pour finaliser discussion sous formation cabinet ministériel. Bonjour, bonsoir à tout le monde et bienvenue l'autre fois encore sur channel là pour une nouvelle vidéo de formation que nous portons pour côté nous rentrer la caillou avec édition La Voix de l'Amérique. Ça j'en qui ou déjà constaté là et bien en pile nouvelle dans monde là gros danger tout qui passe sous Caraïbes là. Vladimir Poutine lui même qui menacé, mais on va joindre tout point ça dans vidéo. L'autre point que on va joindre Martin Moïse avec Jovenel Moïse après recevoir 6.2 millions de dollars américains. Rete branché pour connaître pour qui ça toute l'argent ça sélection nationale Haïtienne nan gagné 2 goals à 1 et bien pendant yon a joué avec Saint-Lucie nan éliminatoire Coupe du Monde 2026 kap vini la. Yon l'autre côté, ancien conseiller Trump la Steven Bannon pral commencé servi yon sentence à prison et bien depuis 1er juillet kap vini la. Martin Moïse qui bay gros remerciement avec un compatriote li et bien gros message Martin voye nou pral ba ou yo. Immigrant kap traversé frontière États-Unis illégalement pap capable mande asile. C'est pour ça qu'on pilote que nous portons pour une édition nouvelle ça, mais avant même nous rentrer dans point ça, pas oublier abonner, pas oublier activer la cloche de notification, mettre le sous tout, j'ai qu'on constater sous écran nous là, pas oublier partager vidéo à tout, quitter un like sous vidéo, c'est une meilleure façon ou capable aider nous grandir communauté channel si là avec partager vidéo avec ou ba nou ti like la ki donc ou di travail n'ap fè li même li rive sou ou. Et bien nous pas perdre trop temps n'ap parler pile nous invite ou rale ti chèz ou côté n'ap kito avant avec La Voix de l'Amérique là et puis devant rete branché pour nous capable venir avec reste détail pour n'ap kito avec VOA Creole n'ap vinn informé dans actualité internationale là gros nouvelle là c'est dans pays la France côté en pile activité marqué D-Day là 80e anniversaire débarquement 6 juin 1944 là et il y a plusieurs leaders mondial qui fait déplacement notamment président des États-Unis Joe Biden, gen, et premier ministre canadien Justin Trudeau, gen, et chancelier allemand Olaf Scholz, yo tout te là sans oublier président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sandra Lemaire te suivre pour nous et activité. Président États-Unis Joe Biden commémorer anniversaire D-Day, jour J, a un hommage pour vétérans yo. Li profite occasion en tout pour souligner importance alliance internationale yo. Freedom is worth it. Democracy is worth it. America is worth it. L'idée liberté vaut la peine, démocratie vaut la peine, États-Unis vaut la peine, monde là vaut la peine. Longtemps, longtemps, pour nous et pour tout le temps. La guerre Europe n'a pas fini, pas avant ou l'autre 11 mois. Mais c'est ici que la victoire nous a commencé. Nous avons prouvé ici là que l'idéal démocratie nous est plus fort, parce que n'importe l'armée, ni combinaison l'armée dans tout le monde là. Nous prouvons au bagage ici tout, que personne n'a pas crasé l'unité alliée. The unbreakable unity of the allies. N'a rappelé que D-Day c'était plus gros attaque amphibie dans l'histoire. What the allies did together 80 years ago far surpassed anything we could have done on our own. Ils disent ça allié yoté atteindre ensemble ça gagne 80 ans de ça aller plus loin longtemps parce que ça nous était fait pour nous. Ça c'est un exemple puissant de plus grande alliance, vraie alliance, rend nous plus fort. C'est une leçon ou la prière américain pas jamais oublier. Pendant la cérémonie, président français Emmanuel Macron te remet médaille Légion d'honneur by 11 vétérans Deuxième Guerre mondiale là. C'est plus gros distinction pays la France. Messieurs qui recevoir médaille, te gain entre 98 à 104 ans. Macron beau chaque vétéran sous deux bords figure en vont les détacher médaille là sous yo. Yon moun qui te recevoir médaille, c'est un nèg qui relait Hilbert Morgol, qui te rejoint au bataillon Atiri qui t'a opéré dans l'Est, pays la France. Il était membre troupe américaine qui t'est libéré camp concentration d'Achoa. Face au retour de la guerre sur notre continent, face à la remise en cause de tous ceux pourquoi ils se sont battus, face à ceux qui prétendent changer les frontières par la force ou réécrire l'histoire, soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici. Votre présence ici en ce jour, monsieur le président d'Ukraine, dit tout cela.
Président ukrainien Volodymyr Zelensky et Madame Mi étaient sous place tout pour commémoration. Ils ont reçu un gros bravo dans le moment où ils sont arrivés dans la cérémonie. Monsieur écrit sur réseau X que c'est un grand honneur pour participer dans la commémoration ensemble avec le président. Il a ajouté que l'événement ça rappelé courage et détermination alliés qui ont gagné leur étape défendre la démocratie. Parmi l'autre leader qui était présent, nous joignent le premier ministre canadien Justin Trudeau. We must all continue to stand for democracy day in and day out. Il dit faut que nous continuions à défendre la démocratie chaque jour. Nous devons génération dans l'avenir ça. Et nous devons femmes et garçons vaillants qui ont mis uniforme l'armée et puis faire un paquet de sacrifices pour protéger la liberté collective noire, ça a tout. Nous pas qu'oublier ça. Prince William d'Angleterre, t'es pas les tout. Ensuring the memory of those who fought for freedom lives on is why we've come together again today to say thank you. Thank you for our freedom. And thank you for your service. Merci pour notre liberté et merci pour votre service. Il dit assurer que nous honorer mémoire moun qui te goumen pour liberté nous, c'est raison qui fait nous rassembler comme ça aujourd'hui pour dire merci. Merci pour liberté nous et merci pour service nous. Attaque d'idée là t'est en main avec avion force allié qui t'a lagué bombe sur troupes allemandes dans Normandie. Après ça à peu près 1200 avions qui t'a transporté troupes t'est arrivé. Avant soleil là t'est levé, force allié t'est commencé bombarder force défense allemande sous côte la France et puis bateau de guerre t'est arrivé avec l'autre troupe pour bail renfort. Il y a presque 160 000 troupes alliées qui étaient débarquées en Normandie. Mais tout, il y a plusieurs milliers qui étaient morts. Sandra Lemaire, VOA, Creole, Washington. Donc, c'est un pile d'activités qui a marqué la journée, non seulement aujourd'hui, mais qui a continué encore. Demain, l'autre point d'actualité, nous parlons dans la région Moyen-Orient, côté l'armée Israël, lancé une frappe aérienne jeudi, sur l'école dans le centre Gaza, côté responsable de la santé palestinienne, fait qu'on ait que 30 personnes pour Pipiti, ta mouri. Serge François Michel, quel détail. France Défense Israël a dit que les combattants Hamas qui ont participé dans l'attaque 7 octobre contre Israël ont servi à l'école comme abri et dirigé à l'attaque terroriste la dernière. Déo Hamas, pour la presse, a rejeté déclaration Israël. Il dit que les forces israéliennes ont commis un crime brutal contre les gens qui ont déplacé. Frappe la fête sur une école qui est en bas direction de l'agence l'ONU pour réfugiés palestiniens à Nusirat. L'armée Israël a annoncé hier mercredi un commencement d'opération côté la frappe zone les visées, tout près même zone non. Dans quelques parties dans Al-Bala, dans le camp de réfugiés Bourège. Hamas a lancé attaque terroriste 7 octobre là sur Israël, côté 1200 personnes qui ont perdu la vie, d'après chiffres Israël Tebaï. Et côté groupe là, il y a à peu près 250 personnes en otage. Il y a fait 120 personnes qui ont été dans Gaza toujours, malgré l'armée Israël l'a dit, 37 personnes ont mouru. Israël a répondu à un combattement avec l'attaque à terre qui a tué 36 000 personnes pour Pipiti dans Gaza, civils pour Pifor. D'après le ministère de Santé Gaza, Nations Unies, dans un rapport publié hier mercredi, avait dit que pour Pipiti, il y a 1 million de Palestiniens pour arriver dans le dernier niveau grand goût qui existait. Distance pour mi-temps, mois juillet. Gros restrictions sur circulation manger, de l'eau, gaz, aide médicale, la situation en plus grave dans Gaza. D'après un rapport Programme Alimentaire Mondial, PAM, Organisation pour manger avec agriculture, FAO. Serge François Michel, VOA Creole. Merci Serge. Et d'après les derniers chiffres qui sont tirés, attaque et défense aérienne, défense Israël là, et attaque ça t'a fait plus par environ 33 monde qui t'a mouru. Vous souvenez ou à Creole, suivi un programme dans langue créole haïtien. Actualité dans le pays d'Haïti dans un petit moment. Actualité dans le pays d'Haïti, Premier ministre Gary Conille rencontre aujourd'hui avec Conseil présidentiel transition pour finaliser discussion sur formation cabinet ministériel là et rencontre ça au fait après que hier que Conseil a été rencontré avec pays qui dit aux amis Haïti. Donc est sous place Yves Manuel. Premier ministre Gary Conille organisé un déjeuner de travail hier mercredi avec représentants divers ambassadeurs pays qui dit aux ses amis pays d'Haïti sans compter organisations internationales. C'était occasion pour Premier ministre là remercier solidarité sans faille amitié pays amis Haïti ça yo selon une note qui sorti en bas plume primati. Premier ministre a profité occasion pour parler de action prochain gouvernement dans cadre accord 3 avril 2024 là qui chita notamment sur sécurité, relèvement social, économique, sécurité alimentaire et sanitaire, conférence nationale, état de droit, réforme constitutionnelle, organisation élection.
Parallèlement, démarche pour formation cabinet ministériel là après possible. Après accord sur réduction quantité ministériel, conseil présidentiel là à Gary Conny réuni une autre fois encore journée jeudi dans la villa d'accueil dans l'idée pour mettre dernière touche concernant publication d'ici week-end ça liste personnalité qui fait partie prochain gouvernement. Pendant temps ça, certains partis politiques applaudissent l'idée pour réduire ministériel dans une logique pour diminuer quantité dépenses l'état alors que il y a l'autre qui estime ministère conditions femmes et droits femmes sans côté ministère la jeunesse pas tant de faire partie de ministère qui pral dans l'autre ministère. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Toujours sur la situation dans le pays d'Haïti, eh ben pays a souffri à insécurité alimentaire grave d'après un rapport que Nations Unies publié. Programme alimentaire mondial pour Haïti a essayé de faire tout ça capable pour répondre à la crise là avec un programme yon plat chaud que yon baille chaque jour. Directeur programme alimentaire mondial pour Haïti a te parlé avec journaliste dans Nations Unies à travers un appel vidéo depuis Haïti. Nous sommes place dans New York, Valerio Saint-Louis. Nations Unies publié un rapport qui plaçait Haïti une autre fois encore comme un d'un côté qui souffrit insécurité alimentaire grave. Directeur programme alimentaire mondial pour Haïti a été parlé avec journalistes dans quartier général Nations Unies à New York à travers vidéoconférence côté que le dans cuisine centrale organisation programme alimentaire mondial là qui n'a Port-au-Prince. Il t'a expliqué volonté pour préparer plusieurs milliers de repas chauds chaque jour pour familles qui déplacées et qui n'a abri. Jean-Martin Bauer t'a dit que pas gain famine en Haïti, mais t'a bien gain Louis si sécurité pas améliorée et puis aide humanitaire pas arrivé joindre peuple sans danger sans que négazam pas détournel ni vol ni attaquer. Un avion avec aide humanitaire est arrivé en Haïti mardi la semaine passée avec 15 tonnes manger à provision médicale. C'était premier arrivage aide humanitaire dans le pays depuis 3 mois et yo espéré plus toujours dans quelques jours qui viennent là d'après directeur programme aide humanitaire mondial pour Haïti Jean-Martin Bauer. N'a rappelé que aéroport international Haïti a été réouvert lundi semaine passée 3 mois après violence gang yo te forcé autorité au femel. Plus passé 5 millions moun en Haïti a souffri dans insécurité alimentaire avec 1.6 million là-dedans qui dans catégorie moun qui dans situation d'urgence ou soit dans insécurité alimentaire aiguë. Organisation humanitaire a essayé fait tout ça yo capable pour répondre à crise là. Programme yo plachou que programme alimentaire mondial a dirigé à c'est un exemple ça yo. Jean-Martin Bauer te dit right now we've been able to use the stocks that we placed in position in Port-au-Prince. Kounia nous capable d'utiliser stock provision que nous t'ai positionné dans Port-au-Prince là depuis avant crise là, mais ça yo pas assez. Nous optimistes que avec réouverture pour yo nous pral capable importer marchandises sorti de yo et puis porter yo dans Port-au-Prince pour soutenir programme ça yo. Mais niveau stock l'autre acteur humanitaire yo t'est bas en pile et puis nous connaît tout que secteur santé a très affecté par stock médicaments yo qui bas qui disponible dans Port-au-Prince. T'ai gagné un gros déplacement moun. Dernière fois nous t'ai gagné un chiffre qui sorti dans Bureau international migration qui fait connait que plus passé 360 000 haïtiens t'est obligé quitter caillou. Plus passé 100 000 là-dedans yo t'ai quitté Port-au-Prince dans le mois mars là seulement. C'est comme ça que tu as un gros exode aussi dans la capitale là qui affecte spécialement zone site pays. Nous comptons qui a une infrastructure très limitée, ça qui fait que la crise a vint mal toujours. Rien que bonne nouvelle, nous sommes capables d'arriver dans la Cité Soleil. Une partie qui n'est pas accessible dans Port-au-Prince. Nous sommes capables de porter ration manger par 93 000 personnes, juste pour moi, mais. Dernièrement, nous sommes arrivés pour un vol cargo qui a la donne à tic médical dans l'aéroport Port-au-Prince, qui a fermé pour une période tant qu'il longue. Nous sommes arrivés tout pour un fournisseur médical important pour un pile partenaire, tant que UNICEF et OMS. Mais crise là là toujours. Nous dans commencement mois de juin. Nous connaissons que ça c'est commencement qui prévoit qui pral gagner une saison cyclone très actif. C'est là ça organisation humanitaire au besoin paraît tête pour agir. Il y a besoin paraît tout pour supporter Haïti dans un moment que risque a augmenté. Nous gain tout l'autre facteur que n'a gardé bien avec en pile attention. Il y a la donne impact dépassement ça qui a continué. Nous connaissons que prix manger dans Port-au-Prince a augmenté de 27% depuis mois janvier. N'a rappelé que dans mois de mars passé, pays Kenya avec Haïti, t'a signé un accord pour essayer sauver un plan pour arriver déployer 1000 officiers police en Haïti avec l'autre pays là dans tout pour VOA Créole. Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio. Donc c'est un gros défi à côté de l'insécurité, un problème économique qui devant nouveau équipe qui apparaît pour monter sous pouvoir et correspondant n'importe quoi Massa Dovime a présenté un reportage pour nous par rapport à un grand chantier Conseil présidentiel transition. Défi qui attend pouvoir tout neuf si là semble pas petit. Côté gang qui a assiégé majorité côté dans capitale là depuis 29 février 2024 passé a pas quitté ville là sans conséquence. Gros la trouble avec exam sa yo vinn faire en pile faculté l'état tant qu'au faculté droit et économie, faculté médecine et pharmacie, faculté sciences, faculté odontologie pour citer ça seulement qui dans zone bandi contrôlée. Gagne tout plusieurs institutions publiques parmi le ministère intérieur pour se payer les côtes avec pigo centre hospitalier pays à bandi au pied à qui une dizaine commissariat écrasé tout. Alors que dans plusieurs zones groupe civil armé contrôlé monde capable c'est ça qui a poussé là. Bon cathédrale qui te kon réuni plusieurs milliers marchands et professionnels presque tourner en forêt avec toute qualité plante qui a poussé dans l'espace là. Je dois dire tout dans dernier rapport programme alimentaire mondial PAM mettait dehors fait qu'on ait gain 5 millions monde qui dans insécurité alimentaire côté pas ka joindre manger.
ak plis pase 300 000 lot ki kite la kayo pou echapé an ba violence nek ak zam. Yon Port-au-Prince ki pa gen kote pou moun plante menm yon epeng ti tèt ak fatra. Situation si la yo, se principal rezultat fenomen insécurité a. Selon spécialistes yo, peyi a bezwen an pil tan pou repare kantite dega nek ak zam yo fè. Se nan konteks la, Premier ministre Gary Koni mande pou tout petit nation mete tèt ansanm pou pèmèt la vi reprann nan peyi a. Depi Port-au-Prince, mwen se Masia Dovinme pou VOA Kriol. N'a prêté toujours dans Port-au-Prince et n'a parlé politique réveil national à Calélio annoncé à partir de jeudi 6 juin 2024 là et ben il y a travail contre nouvelle autorité haïtienne pour rapatrier ça y aurait les souverainetés pays d'Haïti. Ou dans Toussaint depuis Port-au-Prince. Vive la souveraineté d'Haïti. Vive le respect de la Constitution. Abat tout conseil qui a comploté contre pays. Jean-Tel Joseph, coordonnateur général réveil national à Calélio, en présence plusieurs dizaines leaders politiques et leaders différentes organisations sociopolitiques qui fait partie structure la dirigeant qui annoncé à partir jeudi 6 juin 2024 là yo nan opposition contre nouvelle autorité pays. C'est pas peuple là qui choisit yo, c'est communauté internationale là qui impose nous yo. Est-ce que nous fiers de ça? Est-ce que nous fiers pour diriger nous yo ou c'est étranger qui choisit nous? Qui ça n'a fait? N'a campé, n'a paumé pour faire respecter droit nous comme citoyens. Si, je veux dire, nous tous pas les retomber, pour nous continuer à défendre droit nous, nous avons garanti dans l'élection qu'a fait yo, nous avons saisi nous, yo nommé député pour nous, yo nommé sénateur pour nous, parce que yo prend, y'a prend nous comme un peuple qui n'est. Et nous garanti, équipe ça, qui campé dans le domaine, avocat, voyons ça yo. Militants politiques, voyons ça yo, femmes, voyons ça yo, nous prenons engagement pour nous pomper contre l'étranger, pour nous pomper contre collaborer, pour nous libérer le pays. Jean-Tel Joseph dit yo ka bataille et yo prel bataille pour rapatrier souveraineté paysan pour pita, papitrice, pour peuple haïtien. Réveille là à tout allié yo, le secteur revendicatif, le secteur religieux, le secteur vaudou, le secteur populaire et tout groupe qui ensemble avec nous yo. Nous décréter la permanence politique pour nous montrer onzeyo, pour nous montrer si c'est onyo que Haïti gamon. Tegen plusieurs agents BSAP ak représentants secteur tankou consul évêque yo, secteur ouvrier ak divers lot. C'est moun nan zone adjacente Port-au-Prince, Taba, Delma, Pétionville, Kinskoff ak Port-au-Prince qui était présent pendant annonce mobilisation anti-équipe en place là. Ou nan Toussaint pour VOA Kriol, Port-au-Prince. Et puis toujours concernant pays d'Haïti, action déforestation pour défense environnement arrête organisé une journée réflexion dans occasion journée mondiale environnement dans commune Tour du Nord. Donc c'était hier, Jodley Junior Saint-Ville, DPI, Faux Liberté. Désertification, résistance contre sécheresse, ARED, qui c'est action pour réforestation et défense environnement, organisé mercredi 5 juin 2024 là, une journée réflexion dans commune Tour du Nord avec plusieurs centaines de paysans. Objectif journée réflexion ça, c'était pour sensibiliser paysans yo sur conséquences changement climat sur environnement avec besoin qui gagnait pour changer comportement yo face à réalité ça. Castel Milosten, c'est coordonnateur action pour réforestation et défense environnement ARED. Au niveau ARED, nous organisons une activité pour sensibiliser moun yo sur dégradation environnement. Année ça un thème que Nations Unies choisi mais qui marchait avec problème terre, sécheresse et résilience. Nous avons organisé une activité ça pour que nous avons changé cible. L'autre année, c'est moun académique, étudiants dans l'université, c'est professeurs, leaders communautaires et puis élèves NS3, NS4. Nous avons invité dans des conférences, mais année ça nous avons organisé une journée de réflexion sur le problème terre, sur le problème environnement et regarder comment le changement climatique l'a frappé et paysans pour changer le mode culturel, pour changer l'attitude face à l'environnement. Monsieur Castel a possible pour le dire, c'était occasion pour paysans de réfléchir sur la question des choukaïtés qui gagnent dans le département avec le phénomène d'insécurité qui a frappé. Ce problème foncier, côté grand don, monde bourgeoisie et monde qui a le pouvoir politique à voler terre, nous avons regardé la question de l'insécurité générale. Qui frappe yo. Castel Milosten déclaré, paysan yo pas découragé. Après rencontre là, yo te prend engagement sa yo. Il y a un engagement qui prend pour paysan yo récupérer terre que grand don, moun ki gen pouvoir politique ak pouvoir économique volé nan men yo et yo prend engagement pour yo changer comportement yo face à environnement. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Trou du Nord, pour VOA Créole.
Et puis dans la question cinéma, gagnent Maryland qui a paré pour accueillir projection un film que des Haïtiens fait en parlant de Kidnapping Inc. Et jodi a nous t'ai rencontré avec nous t'ai accueilli dans studio nous yon producteur qui c'est Gaëtan Chancy l'a expliqué nous bonne nouvelle ça. Le lundi 10 à 7h20, nous avons opportunité à être sélectionné nous dans DC Caribbean Film Fest. Et c'est un long débat et nous pas de film connaît parce que nous connaît que il y a un pile monde après Sundance qui tape dans le film là et vendeur nous parce que vous connaissez dans métier c'est on nous une équipe de monde qui chargé de vendre film là. Le fait que vous avez accepté l'opportunité ça, le fait que moi-même d'ici moi j'étais très content. Donc c'est à j'en tape dit à 7h20 lundi là cap finir là le 10. Mais ça veut dire par exemple le où on filme ou c'est produit ce film là avec Gilbert Mirambeau, ça veut dire pour nous le on film a passé et il a projeté le cinéma ici aux États-Unis puis précisément dans Maryland qui à côté Washington. Bon, Ndaga dit film là là font film c'est pour mon Noël. Donc gain toute une stratégie parce que nous même là nous arrivons dans stade côté que nous font première mondiale Sundance qui sont très belles. Ndaga dit publicité pour film là qu'on y a sacrivé c'est que faut gain des séries de monde qui que nous signe un contrat de distribution pour que après ça il y a les il y a le vendre film là sous différents territoires. Donc le fait que ça a fait bon petit temps qui prend avant que bah ça au fait donc vendeur yo comme on dit j'ai kembe bagay là ou pas veut la gueule trop. Donc mais même depuis film dans film sorti gain pile monde qui a bonne pression gain pile monde qui voulait voir film nan, mais c'est petit petit n'avancer vers étape ça à côté que bon il pas disponible dans cinéma et éventuellement sur des plateformes tout bagay ça. Donc là moi c'est enfin le 10 là moi c'est première fois que un gros public haïtien parle voir film nan, parce que Sundance c'est ton public d'accord dit de professionnel ou de moun zone nan. Donc film nan quand même son film qui a m'ta dit 90% créole bon petit point de français la donne moi pense que malgré que nous essayons ba l'ambition ou du moins on portée internationale film n'a été profondément haïtien, il traitait de problèmes haïtiens, de réalité nous. Donc, on est très curieux de voir réaction haïtienne devant film. Donc, c'était Gaëtan Chancy qui s'est produit sur le film Kidnapping Inc. Là, on a capable ouais intégralité interview ça sous VO Acreol, mais sur toute plateforme nous. Et donc, rester branché pour ça. Donc, on doit rester toujours dans la question culturelle parce que moi, mais c'était moi héritage culturel haïtien ici aux États-Unis. Et en pile activité qui t'a marqué moi ça. Nous allons rejoindre Jude de Ranceré depuis État Floride. C'est dans Island Space Caribbean Museum de Miami que cérémonie clôture exposition Zèbre artistique haïtien pendant le mois de mai 2024 là t'est déroulé dans une séance débat sur problématique peint haïtien. Yon panel qui t'est là dans le poète, entrepreneur, artiste peint, professeur d'école avec activiste communautaire, t'est débat problème tant coup manque intérêt pour peinture par public là, fonds économiques pour artistes qui pas là avec tête ensemble qui pas existé dans parmi artistes. Dominique Amboise qui t'est peinture exposé pendant un mois dans exhibition a expliqué problème qu'il identifié pour peint haïtien. Nous même en peintre en général, et nous pas capables de vivre tout le temps de hors nous. Nous avons un moment pour nous produire. Le moment de produire, nous avons exposé tout, mais il y a des moments morts pour les artistes. Donc, pour les artistes qui vivent de hors, il faut avoir une subvention, il faut avoir une aide. Bon côté parler, Jimmy Moïse qui a organisé l'exposition, pas tout à fait satisfait. Oui, oupi, satisfaction, il y a double sens. En termes d'événements, en termes de participation de monde, oui. Et non, parce que pour qu'on ait un tableau qui vend, parce que ce sont exhibitions d'art que lié, c'est-à-dire que moi, je représente des artistes et artistes peintres. Donc, je vois, moi, c'est à ouais, qu'au moins, il y a deux peintures, deux artistes à eux, qui vendent, qui méritaient non seulement tout ça que vous passez pour venir, pour mettre œuvre là, pour prendre temps, pour venir là. Ça fait deuxième exhibition que nous présentons, nous avons une ouverture, ça c'est closing là. Donc, en gros, bon bilan mitigé, voilà. Yon l'autre côté, Jean-Jacques Stéphane Alexis, qui est un peintre et qui a participé dans le panel là, pas fait ou pas boire pour identifier le problème peinture. Bon, en général, peinture haïtienne, le problème que nous avons, c'est un problème économique. Et puis, il y a manqué côté pour exprimer, il n'y a pas de monde supporter. Là, par exemple, côté pour faire exhibition. Vous comprenez? Des fois, on a rien pour choisir entre acheter peinture ou bien acheter manger. Pour finir, Elisabeth Guérin, journaliste qui a joué rôle modératrice dans le débat cérémonie clôture exposition peinture, l'Union fait la force, identifié aspect positif et négatif pour peinture haïtienne. Alors, il y a un pile bon bagage que nous avons retenu. D'abord, volonté nous, pour positif, là. Pour négatif, là, nous pas structurer et organiser assez. Et ça, c'est problème nous, en général, nous-mêmes haïtiens, nous avons pile bonne volonté, nous avons pile talent, mais nous pas organisé, nous pas structuré. Et c'est sous ça pour nous travailler. Non, Pam, c'est juste de on s'est éprouvé, Wakriol, Miami.
Merci, Jude Déonceré. Et c'est avec dernier reportage ça que nous allons mettre fin dans le programme dans Jodia. C'est ton plaisir, comme d'habitude. Pour... L'autre information que nous portons pour nous aller directement dans le dossier qui est pour avec un pile causé, et bien, dans causé nouveau cabinet ministériel qui doit monter dans la semaine qui vient là, et bien, plusieurs plateformes enseignants lancé yon pinga baye premier ministre Gary Conille et puis fixé position yo, yon groupe enseignant campé, j'ai fond. Crier d'avance ça qui donc vous comprenez ça pour que on l'ai dit j'ai font crier d'avance ça comme ça eux même yo gétan défini yon série de critères qui donc critères si là eux même qui t'a déjà défini là et bien c'est une façon pour eux même yo fait en forme j'ai font qui crier d'avance selon eux même yo doit respecter pour éducation pas fin écraser net dans pays selon ça yo dit et puis youn n'importe quoi yon plateforme enseignant pas caché mais voyez roche et bien yo dit c'est professeur Georges Wilbert Franck qui doit prendre tête ministère si là enseignant yo même enseignant ça yo qui fait yon sel avec personnel ministère éducation nationale exiger yon dividal la condition pour mon cap vinn prendre tête ministère comme ministre doit remplir selon yo même yo écrit voyez baïa journal qui donc liste là premièrement faut que c'est un professionnel dans éducation qui connaît ministère bien ça est premier ça est mandé deuxièmement il faut connait faut qu'il gain capacité pour établir bon genre relation avec tout acteur système éducatif là troisièmement il faut connait faut qu'il connait dossier sensible dans ministère bien quatrièmement il faut connait faut qu'il c'est un monde qui pas mêlé dans aucun dossier corruption qui donc c'est pour capable ministre dans tête éducation nationale et bien cinquièmement il fait qu'on est faut glisser un monde qui qu'on prend défense secteur ak enseignant yo il aura poursuivre pour dire que yo même yo pas prend aucun argentin ou bien inconnu d'après propre mot pa yo qui donc dans tête ministère éducation nationale là et bien yo compte adresser yo directement avec un nouveau premier ministre haïtien on a parlé des ministres de facto Gary Conille avec tout conseil président elle transition et eh bien yo dit qui gen jouet nan meyo pour yo jouer pour moment y a parlé à là et eh bien yo déjà yo même présenté Georges Wilbert Franck comme yon ou cadre en dedans ministre éducation nationale yon normalien supérieur li même k'ap enseye nan université l'état et bien yon ancien syndicaliste tout et bien nan bataille pour changer condition enseignement en Haïti yo di professeur l'état si la li même c'est moun idéal et bien pas apprend tête éducation qui donc n'a pas rappelé éducation li même crabiné en Haïti avec yon vitesse limier qui donc nous déjà connait et n'a rappelé li tout gen plus passé 1500 l'école fermée seulement dans l'ouest pays d'Haïti seulement dans l'ouest gen 1500 l'école qui déjà fermée sans compter ça qui fermé dans la Tibonite yo mettait sous mauvais traitement professeur yo toujours ap sibi soit en bas men gang nèg exam vivant ensemble yo soit en bas men tout l'état yo même qui pa konn paye yo souvent yo konn passé même 4 mois sans yo pa jamais payé yo et ben attend qui ça tout candidat ça yo même yo va porter des bons pour système éducatif là que nous continuer qui un pays pas ca marcher sans éducation et bien dans pays d'Haïti là éducation pas suspend traîner les nous constater comment nèg yo même y a joué meyo et bien syndicat enseignant ça yo même qui déjà re pinga sa bay Gary Conille pourquoi il la Gary Conille lui même li gen bagay nan men qui donc dossier ou pas petit dit tout nan men Gary Conille malgré il pral réduire ministère yo pas dit non ak sa mais yo même yo mandé en pile changement en pile bagay qui gen pour avec tête ministère si là nous pral quitter dossier ministère pour nous rentrer dans ça qui gen pour avec déclaration Martine Moïse lui même li fait et bien ancien Martine Moïse ancien première dame ou bien ancienne première dame nan pour nous faire connaître li pa et bien l'elfine parler tout nous pral faut qu'on ait l'argent côté Martine Moïse pral recevoir yon dividal l'argent là même à toute petite Jovenel Moïse n'a parlé de Jovenel Moïse et bien sous compte X Martine Moïse nous t'es capable de joindre côté le fait tout ça dit compatriotes moi yo partisans sympathisants camarades des combats amis avec famille moi yo li important pour me remercier nous pour l'amour qui donc avec tout de bon bagaille nous souhaitons pour journée fête moi qui donc Martine Moïse lui-même l'étape fêté pendant journée hier moi voulais dire nous que geste ça yo qui montre affection nous gagner pour moi te fait journée
puis spécial là, et bien ça te permet moi comprendre que forme toujours camper jam bon côté nous pour nous continuer bataille dans défendre principe avec valet qui a changé pays nous Haïti belle tifle et bien ancienne première dame n'a été pendant les mêmes étapes fêtées pendant journée hier là qui donc le 6 juin était un nouveau prétend pour ancienne première dame n'a et belle étape elle fait tweet si là nous te bon ça le fait sous tweet mais nous va le faut connait dans ça qui gain pour avec dossier assassinat Jovenel Moïse qui déjà manqué un seul grain mois là jeudi à 7 pour déjà gagné 3 ans depuis Negue même été assassiné président pays d'Haïti et bien dans dossier Jovenel Moïse là Martine Moïse avec toute Jovelin Moïse après recevoir 6.2 millions de dollars comme compensation pour ça yo même yo perdu Martine Moïse lui même qui perdu Maril Jovelin lui même qui perdu papal et bien yo même yo pral une récompense comme si là avant nous entrer sur l'échelle internationale pour la bonne nouvelle là c'est tout dans ça qui est pour avec dossier Mexique États-Unis et bien faut qu'on ait sélection nationale senior là sélection nationale haïtienne senior là et bien yo même qui déjà engagé dans éliminatoire coupe du monde 2026 cap gain pour le faire dans 3 pays Mexique Canada et puis pays d'un coup États-Unis yo même qui déjà pas dans éliminatoire ça et bien Haïti lui même qui t'a joué avec équipe Saint-Lucia li arrivé gagner la 2-1 premièrement Saint-Lucia lui même t'est déjà a mené 1-0 bien bonné dans match là et bien rapide dans deuxième mi-temps côté divergé lui même li t'a pral marquer 1-0 là c'était dans 47e minute DG qui donc qui était bien rapide les deuxième période là les mêmes était commencé bien ça t'a pas perdu et bien c'était égalisation pour sélection nationale là qui était arrivé égalisé avec équipe Saint-Lucia et bien dans jouer boule n'a du tout Haïti les mêmes était bien joué et bien dans zone les mêmes était pral marquer deuxième goal là ça qui parle là égal avec la victoire pour sélection nationale là à la 77e minute DG côté dans zone les mêmes li fait goal ça et bien sont entendu Haïti les mêmes squatter était comme ça 2-1 et ben Haïti déjà gagné 3 points et lui même li deuxième dans groupe ça et ben puis devant dans l'autre prochaine vidéo n'a porter reste détail pour sous éliminatoire là et pourquoi pas Haïti lui même li pas capable dans mondial ça les nous considérer Mexique Canada États-Unis qui c'est 3 plus gros dans zone na CONCACAF là même yo déjà qualifié direct par rapport c'est au cap organiser coupe du monde là et ben Haïti lui même li ta supposé faire parmi ta cou équipe n'a parlé de Salvador Jamaïque et yo même Costa Rica qui souvent aller dans mondial ça et bien dans 3 premiers ou pourquoi pas dans éliminatoire là Haïti les mêmes li ta supposé une chance li pour la jouer coupe du monde si là yon l'autre côté nous aller directement dans ça qui gen pour avec un dossier immigrant yo et bien immigrant y a passé mauvais moment là par rapport avec un nouveau loi que Joe Biden les mêmes li gen côté gouvernement États-Unis les mêmes li te averti ça mercredi qui sont passé là que majorité immigrant qui essayer traverser frontière irrégulièrement à Mexique qui donc yo pral capable mandé aucune qualité de protection à cause d'un nouveau restriction président Joe Biden lui-même l'a approuvé pendant jour mardi qui s'est passé à là qui donc immigrant ou même sous ta gagné pour entrer selon nouveau loi et bien ou seulement capable mandé asile et bien dans application CBP One immigrant qui traverse frontière États-Unis et bien illégal yo pas capable mander asile sou pas passer par CBP 1 administration Biden nan li prend une série de mesures c'est pour empêcher quantité immigrant qui traverse frontière États-Unis illégal là pour demander asile alors que administration à travers programme CBP 1 nan li même li mette sous pied une voie légale pour immigrant passer pour yo suspendre entrer sous terre illégal mais c'est pas empêcher quelque nan yo même voir ça à cause des quantités moun qui rivaient rentrer dans pays États-Unis pendant dernier mois ça yo là sans yo même yo pas fait aucun application n'a parlé de CBP 1 et le président américain Joe Biden lui-même qui depuis le commencement mandat a demandé congrès lui-même pour sécuriser frontières yo avec réparer système immigration yo qui en faiblesse là et bien annoncer li prend une mesure exécutive qui donc sous dossier immigration président américain lui-même li fait quoi que frontières yo doit sécuriser li annoncer ça mardi 4 juin 2024 qui sont passé à là une action exécutive pour refuser asile pour immigrants qui traversent frontières États-Unis illégal une décision tout qui pral mettre en application les gros niveau conflit dans frontière sud là dépasser capacité produit
conséquence à l'air qui donc agent ça fait pendant journée jodi a là yo pral rendre li plus facile pour agent immigration yo déporter moun qui pa gen yon base légale là pour yo rete et puis réduit chaye agent patrouille frontière yo qui donc d'après ça ambassade pays États-Unis li même li fait connait dans même décision ça moun qui rive rentrer dans pays ya illégal y'a voyé retourner dans pays yo et puis yo même yo risqué sibi gros conséquences en bas main criminel avec agent immigration. Pourquoi li la dossier la fait pas l'empile? Et bien dossier a tout li pas seulement rete là tout de suite après décret si là nous te vinn avec nouvelle ça pour hier président mexicain lui même qui dit malgré Biden te dit nan voye moun yo tourner yo capable voye tourner tout dans pays Mexique et bien il te fait connait c'est la caillou pour dit pays d'origine yo pour même yo voye tourner la caille li même li pas la donne. Et bien tout de suite après décision ça qui s'est passé et bien gouvernement dans zone Texas lancé liste 10 immigrants sans papier qui recherchés pour commettre crime dans l'état si là qui donc n'a posté image là gens qui ont constaté là sous écran nous là et bien ces immigrants ça yo 5 premiers ou plus 5 deuxième yo même y a recherché qui en relé mercredi ça lui même Texas té lancé liste immigrants ça yo qui c'est 10 et bien sans papier qui recherché accusation criminelle dans état et bien dans cadre stratégie sécurité frontière même yo té appliqué par gouverneur républicain Greg Abbott et bien liste là lui même qui té créé en partenariat avec département sécurité publique Texas là que même yo les DPS là et bien yo visé joindre avec arrêté délinquant qui répété qui yo même rentré dans pays irrégulièrement et puis yo même yo recherché pour crime qui était commettre dans état ça d'après bureau gouverneur lui même dans une déclaration que lui même lui fait qui donc yo pas que bête maintenant qui dit tout dans dossier immigrant eux même cap essayer rentrer illégal qui était déjà fait en pile sous frontière là et bien n'a rappelé tout dossier immigration ça lui même c'est gros point fort lié dans ça qui gagne pour avec prochaine élection qui pral gagne pour fait là dans pays États-Unis côté Joe Biden il pral te qui connait avec Donald Trump que nous même nous déjà connaît lui même qui c'est un nèg qui vraiment et bien lui même il parler les dossiers immigration et bien élection qui pas longtemps fait là Biden lui même qui déjà a parlé terrain là pour inviter et bien bagaille yo même yo ta passé yon gens pour Trump li même li pa ta jouer sur ça pour le gagner là qui donc dossier frontière pour selon président américain li pas supposé gagner plus que 2500 moun k'ap mandé asile de pour besoin asile c'est passé bien rapide passé BP1 pour capable remplir formulaire yo et bien on pral gagner rendez-vous pour sous frontière ça qui pral diminuer quantité moun ki ta doué ap camper ou bien passer irrégulièrement ou bien al chita sou frontière là pour mandé asile pour rentrer dans pays Joe Biden toujours pays États-Unis côté actualité à la c'est l'almené nous directement côté ancien conseiller ancien président Donald Trump lui même Steve Bannon et bien il pral commencer servir une sentence en prison depuis date qu'a 1er juillet 2024 qu'a vini là un juge fédéral américain by Lord ça c'est hier jeudi pour ancien conseiller Trump là Steve Bannon commencer servir sentence à 4 mois prison lui même à partir du 1er juillet qu'a ni là juge là lui-même li te bay sentence ça c'était dans mois octobre 2022 qui donc c'est pas un bagaille kounya dit tout à cause lui-même li te méprisé pouvoir Congrès américain lui-même li pat présenté pour témoigner dans mois d'octobre 2022 qui s'est passé à là les parlementaires eux-mêmes yo t'a mené investigation sous attaque à 6 janvier et bien sous Capitole là qui donc attaque ça arrive en pile parler dans Washington DC c'est là bagaille là t'est passé selon journal VOA créole et bien moun si là lui-même li pral gagne n'a parlé de Bannon lui-même Bannon t'est refusé et bien Bannon qui t'est refusé collaborer avec enquête parlementaire pourquoi il est là il pral gagner pour la commencer prend prison à partir du 1er juillet 2024 qui vini là qui donc 1er juillet qui vini là il pral commencer prend prison et il pral gagner pour passer 4 mois dans prison pour dossier les mêmes li té boudé invitation que eux-mêmes yo té fait qui donc depuis ces pays sérieux les yo invité ou pour aller répondre question pas gain de cacher pas aller et bien après pour aller paraître quoi pour aller juger en bas l'autre juge même en pays d'Haïti l'a fait là et bien eux-mêmes y a metti ça qui gain pour payer à direct sous sans yo pas ba ou même yon chance qui donc c'est comme ça y est pour ancien conseiller ancien président américain, les mêmes qui c'est Joe Biden.
dossier Martine Moïse là que nous te baou yon grand et ben Martine Moïse avec Jovenel Moïse nous te dou qui va recevoir 6.2 millions de dollars américains comme compensation et bien ça yon même yo te perdu d'après ordonnance juge fédéral Miami qui donc nous te supposé bon tout détail ça yo n'a pote yo pour clair c'est pas n'importe gens yo va jouer comme là d'après ordonnance restitution juge fédéral José Martinez lui même li prend dans dossier et bien gen 6 individus qui condamné dans complot cap payer la agence et bien détail sous l'agent Martine Moïse lui-même l'a bien recevoir 5 305 387 dollars pour cobli dépenser l'hôpital voyage avec un dossier sécurité lui-même li était employé moun et bien lui-même li était retourné dans pays d'Haïti tout nous changer ces blancs qui était sécurité et bien l'a recevoir comme ça c'est pour ça Jovelin lui-même cap vive Québec pays Canada et bien la joine 865 386 dollars selon journal Miami Herald les mêmes c'est ça li dit ki donc journal américain qui dit ça côté juge là les mêmes n'a parlé de ordonnance juge fédéral pays États-Unis les mêmes qui pas dit clairement pour qui ça si ça condamné ça yo même yo joine l'ordre pour yo payer petite Jovenel Moïse l'argent ça avec toute madame ni parce qu'il pat nan kaila jou assassinat la li même li te fait là qui donc dossier Jovenel Moïse la malgré dossier pour que j'aime fin clé mais toujours gagné jugement enquête k'ap fait nèg qui condamné pour passer toute vie en prison l'autre tout même qui toujours dans marché là bagaille là pour que j'aime fin clé les nous pas attendre qui ça nèg Haïti yo même yo fait sous dossier mais pays États-Unis lui-même qui continue à faire enquête y a travail pour voir comment dossier lui-même li ta capable paraître clé malgré bagaille compliqué en pile parce que aujourd'hui lui-même li déjà mouri et moun k'ap prend pouvoir tout nous pour connait dans qui bon nous camper est-ce que nous venons bon moun k'ap capable ba justice vrai et en pile information fait qu'on est tout gen même nan nèg qui fait partie conseil présidentiel transition yo même qui ta nan assassinat ancien chef d'état haïtien n'a parlé de Jovenel Moïse li même qui té mouri là qui pral sous 3 ans depuis yo té assassiné le jour qui 7 juillet 2021 7 juillet k'ap vini là k'ap 2024 là li pral faire yon affaire de 3 l'année qui donc depuis le ça pays y a pas de bon sou jojo c'est vrai mais depuis la mort jojo c'est comme ça pays a li même li tombé dans yon kachou boumbe côté c'est qu'il y a vrai problème yo même yo vini PM Ariel Henry qui té passé li prend hésitant li prend sans là li était toujours dit l'a fait en pas jamais fait pour quand lui même li vinn arriver démissionner et bien pourquoi elle est là bagaille yo même qui continue et bien pays a toujours dans impasse par rapport avec un dossier insécurité malgré il était déjà commencé tout depuis sous Jovenel Moïse mais pourquoi elle est là dossier yo même yo pas piti dit tout dans pays d'Haïti côté moun pa ka vivre gang yo qui regroupé yo là sous non vivre ensemble et bien c'est qu'on y a une pi danger yo vinn a bay plus problème avec population li même yon l'autre côté et bien a fò konnen nan zone pour fugitivo de prison et bien yo même yo arrêté nan Sides la police arrêté Sides Josie Sylvestre nèg de 31 l'année et bien yo même vendredi qui sont passé qui de 31 mai 2024 là selon la police nationale yo même yo posté sous compte Facebook yo c'était nan balance et bien yon l'autre côté tout yo fait connait et bien yo t'étendé et bien SDP Jicides yo même t'étendé Josie Sylvestre li même li confessé que li même li était sauvé nan pénitencier national la samedi qui était 2 mars 2024 là là les nèg exam yo même yo t'est attaqué et bien l'autre côté tout yo fait connait citoyen li même qui relé Jean Simon Lionel de 46 l'année et bien côté li confessé et bien lui-même n'a parlé de Lionel Simon de 46 l'année qu'il te fait partie monde qui t'est sauvé dans prison jour qui était 2 mars 2024 là les nèg vivent ensemble même yo t'pral attaquer prison nationale là qui c'est prison pénitentiaire nationale d'Haïti donc département sud là lui-même qui pas joué du tout et bien c'est matin midi soir attendez yo mette main n'a pas de cassava yon individu lui-même qui t'a pas essayé sauver malgré ou te déjà sauvé dans pénitentiaire nationale mais yo même qui te prend sud là yo même y a essayé échapper pour yo gagne qui vla Saint-Domingue tout côté ça fait dans centre tout pas pi gagne bon résultat pour yo mais pourquoi il est là et bien Sides yo arrêté selon police nationale d'Haïti des individus ça yo même qui té moun qui sauvé dans prison et bien qui t'a pas essayé prendre refuge et bien pour moment yo là yo nan men la police nationale d'Haïti.
Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une des premières façons que vous pouvez faire, capable faire senti travail n'a pas arriver sur vous, c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification, mettre le sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça on aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté tu abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'ap di au revoir tout le monde. N'ap revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.